Nous sommes le 9 mai 2010, date historique pour l'en avant. Un an après la victoire face à Rennes, EAGTV vous offre un nouveau plaisir avec le dernier témoignage des héros. C'est parti. Si t'as une image à retenir de tout le parcours, que ce soit contre Dinard ou contre Rennes ou tous les autres matchs, si t'as une image à garder, ce serait laquelle? Une image? C'est dur parce que c'est une aventure tellement... Je crois que moi, le match le plus difficile, ça a été celui contre Vitré, où on se qualifie au pénalty et on a vraiment galéré. Et dans les premiers matchs, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas participé à la fin, qui ont participé au début. Donc, faut avoir une pensée pour eux. Une image. C'est ce que je disais. Ils m'ont posé la question et j'avais du mal à ressortir un truc. Tu vois. C'est un tout, voilà, je garderai tout parce que tout avait son importance et tout ce qui s'est passé a fait qu'on a vécu un moment fabuleux. Moi j'ai une petite image qui me revient aussi quand même. Je me rappelle d'un match à Saint-Omer où on est mené 1-0 sur un terrain gelé. Et puis là c'est plus l'entraîneur des gardiens qui parle. C'est qu'ils ont une occasion, Saint-Omer a une deuxième occasion sur une tête, sur un terrain gelé où c'est difficile d'avoir des appuis. Et puis Guillaume nous fait un très très bel arrêt. Plus que décisif parce que ça peut faire 2-0 et puis à 2-0 c'est pas la même musique. Cette image là je la garde aussi en esprit, dans ma tête. Je pense que j'ai une image qui m'a marqué, c'était le match contre Sedan. Juste après le match, moi j'ai regardé le match avec Steven Pinto chez moi et tous les deux on était blessés à l'époque, moi j'étais dans ma reprise déjà. Et on se disait, il faut qu'on gagne parce qu'on veut jouer la demi-finale, ça va être important et tout. Et à la fin, on a vu tous les joueurs en train de célébrer la victoire contre Sedan. Et c'était un match incroyable, encore une fois, en 10 contre 11. Et je pense que l'image qui m'a marqué, c'était l'image à la fin, quand j'ai vu François Belougou, Cédric, Eduardo, Wilson, Bacilla, tous en train de célébrer. Et j'étais devant ma télé, j'étais pas au stade. C'est là que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'attend de grand. Ouais, je vais dire les deux buts de Badara, parce que c'est vrai que, comme je te l'ai dit, Brest, le match n'était pas loin d'être fini, mais bon, ça te rassure quand même, t'es jamais à l'abri de prendre un but, une égalisation. Mais après, en demi-finale, c'est quand même un but à ce moment-là super important, et la façon dont il les a mis, je pense que c'est cette image-là qui me revient tout de suite à l'esprit, quoi. C'est vraiment ces deux buts un peu gags, on va dire, mais qui font énormément de bien et qui nous ont permis d'avancer. Et puis le deuxième, d'aller carrément en finale. L'image, c'est mon but contre Toulouse. Je garde cette image-là parce que j'ai pensé fort à ma famille qui m'adore tous ensemble. Ils sont nombreux, j'ai pensé à eux. Et puis cette image-là que je garde du parcours de Coupe de France. C'est vrai qu'au Stade de France, c'est incroyable, on ne peut pas oublier. Moi, le truc que je garde, c'est mon but à Toulouse, quoi. C'est cette image-là que je garde. Moi, mon image, j'ai toujours dit, je crois que c'est celle du COP. En rentrant sur le terrain avec EAG au Stade de France. Je crois que ça, c'est ce qui restera. Je crois qu'un très beau tifo. Et je crois que gagnant, pour moi, non seulement gagner sur le terrain, mais aussi gagner dans les tribunes. Je crois que moi, c'est l'image de la Coupe de France, le tifo au Stade de France. L'image, c'est l'image des coachs qu'on a marqué les deuxièmes buts. J'ai pas regardé sur le banc, donc tout ce que vous sur Edu, mais les matchs des coachs, ils étaient énormes. C'était énorme, quoi. La personne, elle était dans le terrain, c'est la sincère, et la personne, elle était avec les crampons, avec lui, il a envie d'être là en plus, c'est émotion forte.
je crois que c'est ça, cette émotion que j'ai gardée, quoi. À Toulouse, ça va, mais là, là, celui-là, final, c'était énorme. C'était énorme. Oui, avec tes supporters, c'est pas... Des supporters, c'est quelque chose de bien déjà. Mais je veux garder cette image, coach, parce que tu vois les relâchements, malgré ces 2 ans, et c'est... Il nous fait quoi, c'est fini, quoi. Bah, j'en aurai 2. Celle dans les tribunes à Toulouse, parce que bon, je ne pouvais pas participer à la fête avec mes potes, hein, avec mes entraîneurs, d'abord, puis avec mes joueurs. Puis la deuxième, c'est la joie que ça m'a apporté, parce que j'étais, en fin de compte, l'entraîneur d'un club de Ligue 2 qui gagnait la Coupe de France. Ça faisait 50 ans. Et après, quand je suis parti vers les supporters, après 2-3 minutes avec mes adjoints, qu'on a fêté ça ensemble, la joie des gens qui étaient heureux, parce que à quel moment on pouvait penser que Guingamp pourrait un jour gagner la Coupe de France, voilà. 3-4 images, ouais, 3-4 images. Le banc, quand on met le deuxième but. La joie du entre nous partagé du staff avec les dires. Le président sur le dos de ses joueurs, sur cette pelouse-là, sur Rodourou avec la coupe. Et c'est l'image qu'on avait mis dans la présentation du PowerPoint avec le président Le Graët en 73, 74, ou je sais pas, ou un peu plus tard, sur le dos de ses joueurs, une image en noir et blanc. Et 35 ans après, il est sur le dos de ses joueurs, mais avec une Coupe de France. Ça, c'est des images. C'est des images. Et puis forcément, la montée des marches et la coupe qui est brandie avec un drapeau breton et un drapeau brésilien mélangés. Bah, quand on monte sur le podium, on lève la coupe et la joie des gens. Et voilà. Le regard de Wilson Aruma, quand on sort du vestiaire, qui sait que, parce qu'on se connaît depuis des années, qui sait qu'on va aller au bout. Le sourire d'Edou, la volonté de Lionel Matisse. La hargne de Bako et de Christian, c'est des petites choses comme ça. C'est la sérénité d'Yves Dorof. C'est des petites choses, tout ça mélangé. Et puis pour moi, individuellement, c'est juste après l'échauffement au milieu, quand il y a le cercle, la tête des mecs. Ouais, ça, j'en souviendrai, je pense, pendant un paquet de temps encore. L'image que j'avais gardée, c'est après le match de finale. J'étais sur le terrain du Stade de France avec mes 2 enfants. Tous les 2, Mathéus, le plus âgé, il sait déjà, il a conscience de qu'est-ce que c'est un match important comme un final de coupe. Et là, c'est le moment plus. Je suis content que je vais jamais oublier. Et après, le tour que j'ai fait aussi dans le stade avec les 2 enfants, j'ai vu tous les stades qui me félicitaient, même le supporter de Rennes. Ça, c'était magique.